ma vidéo est déjà prête. Elle sera postée ce soir à 18h. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens depuis de tout, donc c'est pas le top top. C'est le temps si pour moi, mais bon, j'essaye d'être en forme. J'ai pas fait de weekly vlog la semaine dernière parce que je me sentais pas bien. Donc, j'étais malade et je n'allais pas bien, donc je voulais pas que vous voyez ça. C'était vraiment pas intéressant et c'était vraiment... Vous aurez même eu pitié de moi, donc je n'ai pas envie que vous ayez pitié de moi. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéo. Je suis restée cool dans mon coin. Donc là, nous sommes dimanche matin. Donc je commence un nouveau weekly vlog et je suis contente de filmer enfin, d'avoir un peu de force, de forme pour pouvoir faire ces vidéos. Je sais pas pourquoi depuis là ça accroche là sur mes cheveux. Vous avez constaté que mes cheveux ont quand même duré. Nous sommes à 2 semaines aujourd'hui et bon, c'est pas encore comme le poulailler que c'est souvent, mais bon, ça va. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, je vais aller au marché acheter quelque chose pour préparer donc les compléments en fait. Ce qui manque sont les compléments. Je vais aussi peindre ma chambre, la chambre des enfants. Et je vais pas finir tout ça aujourd'hui en termes de déco et tout. Je suis en train de vous voir au fur et à mesure selon mes moyens. Donc je vais filmer, mais je vais stocker et je vous montrerai le résultat final à la fin. Quand j'aurai terminé de faire ce que je veux pour les deux chambres. Ça c'est Raphaël qui fait ce qu'il fait là. Généralement je peux pas beaucoup les dimanches parce que je reçois souvent des gens, ou alors je pars pour la semaine. Donc on va passer la journée ensemble et la semaine ensemble en espérant qu'il y ait quelque chose vraiment de croustillant. Mais bon, voilà, c'est un peu ça. Donc je vais faire des photos avant et garder pour pouvoir faire des photos après. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Ok, je vais me mettre là. Je sais pas pourquoi le truc s'il ne fait que arrêter mes cheveux. Oh là là. Ok, c'est parti pour la journée. Je commence par me débarbouiller. Je prends le petit déjeuner et je prends avec Raphaël. Et ensuite, go, on va au marché. Je suis la cuisine, mes cheveux ont tellement vieilli. Oh, le style. Mais ça, c'est ça déjà. Ça, c'est déjà vu, genre. Mais ça, c'est un problème. C'est bon. Donc voilà, on va refaire toute la peinture ici. Hier, on a mis une nouvelle lumière. Voilà, donc ici on va tout refaire, tout changer. Et j'ai déjà vu que vous avez déjà retiré tous les tableaux qu'il y avait ici. Donc maintenant on va juste tirer les meubles pour que le peintre puisse avoir accès facilement. Alors je vais faire un petit rôti de porc, voilà ça. Et ici ce sont les saucisses que je vais mariner aussi. Parce que je les ai eu à 4140 francs. Et c'est le kilo, c'est 4200. Et là, j'ai eu 8 pièces des saucisses là. Ethan. Vous voyez, voilà la grosseur de nos saucisses. J'ai trouvé vraiment grosse. Là, je vais mettre le sel, le poivre et c'est tout. Ethan est en train de faire n'importe quoi là, donc je ne peux même plus travailler. Hé, 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 c'est mon espace de travail. Va là-bas. Hé, hey, sortez, monsieur. Calme. Et toi, tu es en train de faire. Vous voyez ce qu'il est en train de faire là. Camilla, j'ai dit on part mettre les poubelles. Isaac Camilla, donc tous les dimanches Isaac en passe et on place les bouteilles, les poubelles. Donc je m'avais vidé des poubelles. Isaac en vient de passer et là je m'apprête à faire mon porc, mon rôti de porc. Avec la vie des liens, tu sais, c'est pas évident de recevoir les gens. À peine je fais 1 kg, hein, c'est comme si c'était rien. À l'époque, ça c'était peut-être 2 kg, ouais. Franchement. Et là, je vais faire les frites de plantain. Voilà, pour manger avec les saucisses. Par rapport. Pardon que. Étant en train de faire un désordre ici.
J'ai fait aussi le riz. Le riz est en train de cuire là-bas. Que je vais faire avec le porc. Voilà. Donc, j'ai terminé la cuisine et on l'a repassé à table et j'ai hâte de vous montrer ma chambre, comment je l'ai décorée. En tout cas, j'ai hâte de filmer la vidéo de la déco et de la transformation et tout. Mais sinon, ça promet, c'est vraiment trop joli. Vous voyez déjà ici, c'est tout clair et tout. Donc, j'ai hâte. Je me sens pas super bien, donc je reste à la maison comme on l'avait vu. Et là, je m'apprête à aller faire une livraison pour les bijoux. Vraiment fatiguée à ce soir. Vous pouvez souvent commander mes bijoux si vous voulez, surtout pour les filles ou alors la Saint-Valentin. Commander mes bijoux, c'est garanti 5 ans, ça ne change pas et c'est super beau. Donc, commander. Donc là, je suis en train de sortir. J'ai envie de sortir pour faire la livraison là et je vais aussi m'arrêter pour acheter des babouches à Ethan. Il n'en a plus et aussi je reviens pour préparer. Voilà, donc cette journée, quand même, c'est une journée reset. J'aimerais bien m'asseoir pour voir une série parce que j'ai pas souvent l'habitude, mais on verra tout à l'heure. Donc je vous amène avec moi ou alors peut-être je vais vous laisser et je vous reprends dès que je rentre. Je vais faire la sauce coco avec la chip et le couscous. J'ai pris ça à Ethan Maël. C'est trop mignon. Les petits Havanas. Et je lui ai pu voilà, pour marcher à la maison. Petite tennis comme ça. Je sais que ça va vite se salir, mais bon, c'est pas grave. Donc les deux m'ont coûté dans les 5 000 maxi. Voilà. Vous voyez que dans mon marché, on trouve un peu de tout. Donc là, on va à la cuisine. On va quitter. Mon couscous, il est prêt et ma sauce aussi. Et ça, c'est mon fouleré que je vais faire tout à l'heure. Là, c'est ce que j'ai acheté pour laver les habits. Donc, on va manger. Donc, voilà ma sauce combo avec mon couscous. Il n'y a pas l'esthétique. Je m'en vais manger avec les Noël. Donc, voilà, j'ai juste pu faire avoir ça. C'est à peine 4 litres. À peine. Ouais, 4 litres. Voilà. Donc, c'est tout. Je vais mettre au frais et on va boire quand ça sera plus glacé. Donc là, je viens de me réveiller et je faisais des shootings pour les bijoux que je vais poster ce soir. Je suis un peu fatiguée toujours. Mais au moins, là, j'ai pu bien me reposer quand même. J'étais déjà un peu trop surveillée et tout. Donc j'ai pris le temps de bien me reposer et j'ai commencé à faire la lessive. Voilà. Il est déjà 17h et je veux fermer partout et mettre une spirale d'anti-moustique. Donc j'ai acheté des Moon Tiger qui trottent tout loin. Ici.
Et je vais mettre, fermer la maison et mettre un peu partout. Let's go. Donc là, je suis dans la chambre de Rafi et c'est super beau. J'ai hâte de vous montrer tout ça à la fin. Tu n'es pas dans le milieu de toi. Je suis dans le milieu. Regardez-moi quelqu'un. Elle n'a pas connu Cotobas. Bon, tant qu'elle a donc connu Cotobas, tu es où aujourd'hui? J'ai le boubou. Passe. Va. Voilà, c'est toujours comme ça. Toujours qu'elle m'accusait injustement. Tu me poses la question. Donc la famille, je m'en vais dormir. Je suis fatiguée. Et demain, j'ai une dure journée. Tu as trouvé? Tu vas dormir avec la femme. Oui, et toi, tu dors avec qui? Donc je m'en vais dormir, je suis bien fatiguée, on se voit. Demain, je n'ai pas fait la salle de sport aujourd'hui, je n'ai pas fait sport en salle aujourd'hui parce que j'étais trop fatiguée. Il me fallait venir vite pour superviser le ménage, en fait, les travaux et tout. Donc capote, je m'en vais comme ça pour dormir. Allez, demain. Donc là, je suis de retour. Tout ce bazar, c'est en fait... le déménagement. Je suis partie le matin, tout allait bien. Je viens de trouver qu'on a déjà rangé mes choses ici. Alors, je suis en train de vouloir refaire, comme je vous ai dit, un peu tout dans ma maison et tout. Donc, ce qui fait que c'est un peu compliqué actuellement pour moi de filmer en même temps de me poser. J'espère que j'aurai vite fini ça pour vous montrer tout ce que j'ai envie de faire et tout, mais pff, je sais pas. Là, je viens de rentrer du sport et je suis juste fatiguée. La vérité, c'est que j'ai fait quand même une semaine sans aller à la salle. Mes tresses commencent à peser et depuis que je suis rentrée, ma vision est comme si elle est floutée. Je vois des choses qui font. En fait. Et mon corps en fait un mal et tout. Je suis juste pas bien. La semaine, si c'est pas une semaine, je me sens vraiment à ma forme en fait. Je suis pas juste moi, je sais pas comment vous expliquer ça, rien des jours où tu n'es pas juste toi. Et depuis que je suis rentrée, ma vision est vraiment mal en fait. Je vois vraiment les choses bizarrement. Je vais essayer de boire quelque chose et me calmer et voir ce que je peux faire. Heureusement que demain c'est vendredi, Raphaël n'a pas classe et je peux dormir. Pas la peine de me réveiller pour l'apprêter. Aïe. Je suis partie, j'ai oublié. La preuve à quel point je ne vais pas bien ces temps-ci, c'est que j'ai oublié mes chaussettes et ma chaussure en train de se décoller. Je pense que cette chaussure a déjà trop duré. Depuis que vous me connaissez, je n'ai qu'une seule paire de tennis de sport. Pourtant, j'ai plusieurs tennis, mais là, il faut que je m'achète d'autres tennis. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien maintenant. C'est vrai que ce vlog est un peu bizarre parce que je vous assure que je filme depuis 2 semaines déjà. Donc j'ai commencé à filmer 3 jours, 5 jours avant et là j'ai arrêté et là je reprends après pratiquement 1 semaine de pause. Donc on va dire que je suis à plus de 2 semaines pratiquement. Et pourquoi? Parce que je me sentais pas bien. Pour ceux qui me suivent vraiment sur les réseaux, vous allez constater que je suis beaucoup plus active là-bas. Et quand ça va pas bien, je me déconnecte en fait. J'allais vraiment pas bien. Bon, là, je m'en vais d'abord faire les crêpes parce que nous sommes dimanche. Et demain, il y a reprise d'école. Donc, je dois faire les crêpes pour Raphaël pour l'école.
que tout le monde chez moi est un peu malade, j'ai fait cette concoction-ci de citron, miel. J'ai laissé le citron à l'intérieur parce que j'avais pas assez de jus. Donc je pense que là ça va, je vais pouvoir retirer. Donc, je vais faire voir ça avant qu'il aille à l'école encore et le soir. Hello, donc je suis de retour à la maison et aujourd'hui nous sommes mercredi. J'ai pas cuisiné hier, donc je vais faire un repas de 2 jours. Donc là je vais faire encore un repas pour 2 jours. Donc je vais faire la viande hachée avec les plantains. Voilà, c'est ce qu'on va manger. Je suis un peu like, un peu dispersée ces temps-ci, un peu embrouillée, un peu de... Il y a trop d'instabilité actuellement. Donc je vais essayer de m'arranger pour pouvoir faire manger pour 2 jours, tout simplement. Donc je viens de terminer les œufs avec les plantains pour monsieur. Donc il va manger ça pendant que moi je continue avec ma cuisine. Donc voilà. Tout ce que j'ai apprêté, donc je vais balancer ça dans la poêle et faire revenir avec la tomate après. Donc voilà, ma sauce est prête. Je vais faire les spaghettis demain. Donc on va manger la moitié demain et l'autre moitié le vendredi tout simplement. Voilà, ça va suffire pour tout le monde à la maison. Bon, il y a ma fille. Et t'as dit bon, il y a ma fille. Bon, il y a ma fille. Donc, depuis que je suis entrée, je n'ai pas pris de douche, je n'ai rien fait sur moi. C'est pour ça que j'avais constaté que mon visage est un peu crasseux et tout. Et mes cheveux sont un peu... mes cheveux sont un peu, genre, ils ont un peu du volume parce que comme c'est des cheveux naturels, avec la chaleur ça fait l'effet de voilà quoi. Donc j'ai pas eu pris le temps de parler depuis par rapport à mon absence, par rapport à ce vlog qui est censé faire une semaine depuis, mais là je suis à la 3e semaine et les clips sont de manière voilà, ça n'a pas trop de sens. Parce que je n'allais pas bien. Donc je vous ai dit déjà que je n'allais pas bien sur les réseaux. Moi, ma vie est un peu trop mouvementée ces temps-ci. J'espère que je pourrai parler de ça après. Mais j'ai trop d'instabilité actuellement. Je ne sais pas si c'est pour me préparer à ce que je veux. Mais bon, pour l'instant, je peux vous dire que je suis dans une saison comment on appelle ça? De moisson, en fait. C'est pas ma saison des récoltes. Je suis en train de planter des choses en espérant que ça porte des fruits et tout. Donc c'est une saison où vous savez, il faut un peu de tout, il faut un peu d'eau, un peu de lumière, il faut de la terre ferme et tout et fertile. Donc en termes, c'est juste une sorte de métaphore juste pour vous faire comprendre que actuellement je suis dans un mode où j'essaye un peu de faire plusieurs choses à la fois, d'essayer de m'en sortir et tout. Et du coup oui,
après la vie de maman à côté, la vie de femme à côté et youtubeuse et tout ça, c'est pas évident à un moment. Je pense que c'est ça qui a fait, parce que je suis plus faible que je le montre. J'ai une santé assez fragile, donc moins de stress, moins de trucs. Je t'en... Là, c'est Ethan qui a dit bonne nuit à son frère, mais qui veut aussi venir vers moi. Donc, je suis plutôt contente aussi parce que j'ai pu refilmer, j'ai pu reprendre ma caméra pour filmer. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui va me gâter la moustiquaire, c'est Ethan. Tu peux laisser ça. Il croit que la moustiquaire, c'est une branche d'arbre. Laisse ça, laisse ça, laisse. Bref. Je suis rentrée du boulot et on nous a offert des tissus pour le 8 mars. J'ai trop hâte de vous montrer mon modèle. J'espère pouvoir coûter ça à temps parce que vous savez, la PO de si. Les couturiers sont overbookés. J'aurais aimé avoir ça plus tôt, mais 2 semaines avant, c'est pas mal. Je vais trouver le temps pour aller voir ma couturière cette semaine. Pour terminer avec. Niveau sport, plutôt, je veux dire que j'ai quand même essayé d'aller 2 fois par semaine. Malgré que ça va pas, ça, c'est pas trop ça, mais bon, ça m'aide au moins à déstresser. Et j'espère que d'ici les prochains jours, je pourrai aller un peu plus parce que là, c'est un peu compliqué pour moi. Donc voilà, je vais me doucher et avant, je vais nettoyer Ethan. Attendre qu'il dorme un peu avant d'aller me changer. Sinon, bonne nouvelle, Ethan marche déjà. Enfin, il marche avant, c'est 1 an. C'est plutôt une bonne chose. Allez, je vous laisse. On se dit à demain. Ciao, ciao. Step 1. Wake up, early, gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Think grow hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be. Samedi soir et je n'ai pas de rencard, de sortie, de voilà, de tout ça. Et la réalité, c'est que le samedi soir, tu n'as vraiment personne pour t'assister et tu n'as personne pour rester avec tes enfants, tu ne peux pas sortir. Donc, le temps mieux, on traîne qu'à la maison. On aura tout le temps de se rattraper. Donc voilà. Voilà à quoi ma semaine a ressemblé, mes 3 semaines ont ressemblé. Je vous assure que j'ai pas tout filmé. Je vous ai pas filmé l'étape de l'hôpital, je vous ai pas filmé plein de choses parce que réellement je me suis déconnectée des réseaux. Ceux qui me suivent savent que je suis tombée malade, mais après je me suis déconnectée parce que j'avais besoin d'avoir un temps pour moi, un temps pour revoir tout, un temps pour comprendre parce que des fois des choses sont tellement. Il y a un tourbillon de choses. Et tu es juste dépassé en fait. Tu es juste dépassé. Tu te dis, mais aïe. Et après, il y a des enfants qui sont tombés malades. Après moi, c'était vraiment pas évident. C'était vraiment pas évident. Je vous assure, je pouvais pas finir. Peut-être une autre fois, j'aurai le temps, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu la force, j'ai pas eu la pensée même de prendre la caméra et filmer tout ça. Mais Dieu merci, je vais bien maintenant. Les enfants aussi, je remets tout entre les mains de Dieu. Nous sommes entrés dans une période de carême. Voilà, donc il y a beaucoup de choses aussi que je dois revoir de ce côté-là. Sinon, voilà, je serai plus active. Je l'espère en tout cas. Je fais tout pour l'être. C'est un peu bizarre, je ne veux pas avec ça. Parce que je ne supporte pas. Moi, mes cheveux dans cet état. Ouais, donc c'est ça. Et finalement, je suis allée voir ma couturière. J'ai pu laisser mon tissu. Et je crois que dans un weekly vlog, vous allez voir à quoi ça ressemble comme modèle. D'ailleurs, j'ai plein d'autres tissus que je suis allée laisser chez elle. Comme ça, je pourrais récupérer tout ça au même moment. Ou après, ça ne dérange pas. Donc voilà, je suis en train de modifier cette vidéo pour pouvoir la poster demain dimanche. Ouais, à quel point je continue à faire les efforts. Parce que quelque part... Ça m'a manqué, quoi qu'on dise, ça m'a manqué de rester active. Ça m'a manqué vos commentaires, vos likes, vos partages et tout. Donc,
Je vous remercie pour tous ceux qui ont posé des questions. Je remercie tous ceux qui se sont questionnés sur mon état, mais pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas et tout. Mais merci beaucoup pour vos messages, vos gentils messages. Et la vie d'adulte n'est pas facile. Même pas. Je vous fais plein de bisous. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.